va pas permettre une attractivité sociale, une attractivité de papier ici à Mayotte, puisque vous savez, une des difficultés, c'est qu'au moins la moitié de la population, à peu près la moitié de la population, n'est pas mahoraise et que ça pose des tas de problèmes sur lesquels je ne reviendrai pas. Puisque j'aurai l'occasion en septembre d'échanger avec toutes les forces politiques du pays, pour notamment suspendre le droit du sol tel qu'il existe ici à Mayotte, parce qu'on ne peut pas continuer à regarder les choses de la même manière, parce que vous avez raison, les moyens technologiques et humains ne pourront pas tout tant qu'on aura encore cette législation qui permet aux gens de venir ici et très rapidement de pouvoir ne pas être exclus de l'île de Mayotte.